Et bonjour, bonsoir les copains, bienvenue pour cette 10e mission, la dernière de la 2e île, donc on va avoir un bonus de médaille si on la termine correctement. Petit récap de la mission d'avant, la 9e mission a été expéditive, parce que d'une part j'ai récupéré avec le petit nounou ici présent, mon meilleur soldat, regardez il a tué 16 bonhommes, on le voit au milieu, en bas au milieu de l'écran, 16 mecs, 5, 3, 3, 4, et voilà, lui il fait tout le taf, il y a que lui qui bosse au final. Enfin bref, on a récupéré un raid aérien, et le raid aérien, ben, comme vous l'avez vu, si vous avez vu la 9e mission, la 9e vidéo, c'est l'arme la plus forte du jeu, et j'ai lavé tout le monde en un tour. Terminé. J'ai également trouvé une médaille bonus au sol, donc on peut espérer en avoir dans cette 10e mission qu'on va faire tout de suite. Contre les Japonais, dernière mission de la 2e île, et après on passera à l'autre. Île qui est, ça doit être Groenvril, je suppose celle qui est en dessous, la prochaine. Voilà, avec les médailles de la précédente de la 9e mission, j'ai promu le soigneur en tant que médecin de grade 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous touchons au but à mi-port, l'armement caché dans ce canyon neutralisé. C'est tout mon tombant qui sera à nous. Ok. Cache-toi un peu. Si tu le finis, tu auras une médaille. Ah oui, il y a une caisse de médailles à faire péter. Donc on va y aller. Ce qu'il y a ta mère. Ce qu'il y a ta mère. Donc là, on a, si vous voyez sur la map, on a deux bonhommes jeunes, en fait, qui se trouvent dans des bunkers. Dans des gros... moi j'appelle ça des bunkers, mais c'est pas vraiment des bunkers. C'est des gros chars, des gros trucs. Pas des chars, parce que ça avance pas. Des tourelles, on va appeler ça des tourelles. Je sais pas comment ça s'appelle très honnêtement, mais ça fait mal, ça fait très mal. Donc je vais déjà envoyer mon mec là, et on doit avoir deux ou trois bonhommes cachés, deux ou trois espions, snipers qui sont en mode caché sur la map, je me souviens plus où exactement. Hop. Voilà, je me cache aussi, comme ça ils pourront pas me casser les cacahuètes. Donc là, il va essayer de me détruire ma tente hôpital. Voilà, c'est de l'artillerie. Putain, j'arrivais pas à trouver mon amour. Et il s'est loupé. Tant mieux, ça marche. Je vais en envoyer un. Je vais essayer d'en envoyer un deuxième en haut. Hop là. On va passer par là. Je vais essayer d'en envoyer un deuxième. Et les autres, on va les laisser en bas. On va essayer d'attaquer à distance. Parce que l'autre, c'est un sniper, donc je pourrais faire quelque chose. Le soigneur, eh ben, il soignera, j'attaquerai pas des masses à distance malheureusement. Et l'autre c'est le bombardier, donc je pourrais largement attaquer à distance. Toi tu vas prendre un peu de la vie parce que tu peux pas te cacher comme, comme Amen, mon petit nono. Donc tant qu'à faire t'es là, prends un peu de life. Hey, hey. Tac, je vais peut-être monter par là. Et je vais voir si je peux pas récupérer la caisse parce que je suis moins pressé pour aller... Par contre je vais me faire défoncer la gueule moi. Je me suis mis là, ouais, voilà. Et con. Mais qu'il est con. Bah oui, forcément, frère. Force jaune. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Et bah, prends le temps, mercurochrome. Par contre, je sais pas quoi faire. Bah, on va aller voir dans la caisse qu'il y avait, ce que j'essayerai de récupérer avec mon nono, pour voir si c'est un truc bien, parce que je vais pas pouvoir attaquer à distance, en fait, avec lui, ce qui est con. Hop, je vais contourner. Putain, les... non mais sérieux, ça par contre. Voilà, j'ai contourné parce que j'avais peur qu'en passant vers Nono, ça me pousse dans le... Un mortier. Ouais, ça me voit sur le principe. Hein. Là, je suis à fond. Con. Ça devrait suffire, ça. Je suis sûr que c'est toxique. Oh bah oui, il y a des chances, frère. Trop fort. Trop fort, bon je le saurais. Voilà, vous voyez, on a un petit sniper qui se cache par ici. C'est juste un éclaireur de niveau 1, donc il a pas de fusil sniper. Il a du gaz empoisonnant par contre, cet enfoiré. Mais il a pas de sniper. Voilà. L'action Lagardère va monter. L'action Lagardère va monter. Il m'a loupé. Je suis là, n'importe comment. Je vais essayer de lui éclater la gueule, lui. En deux tours de snipe, il va mourir, donc faut juste que je trouve où il est. Il est là-haut, vous voyez. On le voit. Nous le voyons.
Crève, vache folle! Oh, c'est un cochon. C'est bon, je l'ai eu. Il va me faire tomber mon nounou. À la rigueur, c'est pas grave. Enfin, si, c'est là parce que je perds de la point de vie, mais. Ah, ça a posé des mines au sol. Une seconde, je travaille. Alors, je vais me prendre un point de repère, je vais me caler au centre du truc, comme ça je pourrais ajuster mes tirs derrière. Mortier, on va essayer de se mettre au centre déjà, parce que j'ai aucune notion de où, comment, pourquoi. Hein, soyons honnêtes. On va se caler comme ça. Là, on est à peu près au centre du truc, et puis ça, on ajustera. Alors, c'est qui le patron? Qu'est-ce qu'il va me faire? Tu vas sortir? Regardez, il y a ma médaille qui est juste en dessous là. Il faut que je la... Faut que j'aille la chercher. Évidemment. Tu devrais pas tirer trop fort, ouais. Force bleue! Mon chirurgien! Oh putain, il m'a éclaté la gueule. Il m'a mis 40 dans les dents, bim bim. Mais pourquoi faire ta mère? Allez, ta mère! Allez, oh toi, t'es bien sur le chemin là, on continue. Ch'touk. J'ai une caisse à récupérer. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans le coin là. Ah! Parce que si je la mets au centre, ça fait tout péter les trois d'un coup, les deux artilleries et également la caisse. On y croit ou pas? Si je la mets style là. Casse-toi. Alors, ça a l'air tout avoir pété, et oui, ça m'a ouvert la porte aussi pour la truc. C'est parfait, ça, c'est parfait. Par contre, au prochain tour, je peux pas faire grand chose. Je suis en train de penser parce que j'ai rien pour attaquer à distance avec mon ingénieur. Malheureusement. Oh putain, lâche-moi là. Oh. Ah, j'ai une grenade. On peut essayer de tenter des trucs à la grenade. Si je trouve une voie de, si je trouve un quelque chose où aller, et ben je vais remonter là et je vais essayer de faire un lancer de grenade. Je sais pas ce que ça va donner. Oula, on a des mines. On a des mines, c'est bon. Est-ce que si je fais un truc comme ça... Il est con, toi. J'ai mis à fond, mais j'ai augmenté l'angle. Hein. C'est volontaire. Bon, j'ai touché déjà. 38 et 55, c'est pas mal. Non, non, faites-le moi pas tomber. Ouh, banzai. Banzai qui m'a lâché. Je peux pas, j'ai un rhume. Banzai. Il est con. Hop. Donc, on a dit tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, avec le mortier. Parce qu'il a un mortier aussi. Voilà. Qu'on vise nos petits japonais là-haut. Et qu'on se met à peu près à la moitié. Ça fonctionne, non? Oh là là, ça doit faire mal. J'aime quand c'est comme ça. J'aime. Oula, 13. Ça pue du cul pour toi, frère. Finalement, ah. Je préfère les bisounours. C'est bien les bisounours. Plus que deux et t'as ta décoration en poil de gnou. Yes. Go! Je reviens. T'auras
aura ton nom sur un monument à pigeons. T'as raison, cache-toi, va, cache-toi. Est-ce que j'ai un visu sur le... Non, j'ai pas de visu, là, je peux rien faire avec lui. Allez, hop. On va pas perdre de temps pour autre chose. Au prochain tour, ça retourne mon bombardier. Hein? Ouais. Après, le bombardier. T'as ta gueule. Comment ça, tu vas avoir ta gueule? Oh putain. Oh putain, le con. Qu'est-ce que je me sers? Donc on a dit à peu près la moitié. Ah, il est un peu plus loin, donc ça devrait passer. C'est pour combien de personnes? Pire, s'il crève pas, c'est pas grave, mais... Allez! Allez! Pas le temps de faire harakiri. Harakiri. Bravo, couille de loup, tu me fais plaisir, là. Et donc là, c'est au tour de mon éclaireur qui est posté en haut. Et je vais pouvoir déjà récupérer ma médaille avant toute chose. Ou alors, tu veux pas de médaille, mais là, c'est l'anarchie, le chaos. Où on va? On va où? Hein? Où on va? Où? On sait plus. On sait plus, on ne sait pas. Hein? On est perdu. Ah là, c'est bon, je l'ai récupéré ma médaille, frère. Il est où le bonhomme? Il est là-bas. Je peux pas aller lui mettre une TNT, je crois que je peux pas monter là-bas. Pour ta mère. Pour ta mère. Il doit pas lui rester des masses de vie à lui. 15. Donc faut que je lui enlève 35 au prochain coup. Minimum 35 au prochain coup. Parce qu'il se cache. Si tu gagnes cette bataille, tout le pays boira dans un trou dans l'honneur. Ça va être compliqué. Ah, il y a une caisse. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Vous êtes mignon, mais je peux pas aller au corps à corps avec le monsieur. Donc voilà quoi. Mais sinon vous êtes mignon hein, mais. Con de parisien. Con de parisien. Oula, c'était nul. Tu vas arrêter de te cacher et tu vas porter tes coronesses là un peu là. Voilà, tire-moi dessus. Voilà, nom de Dieu, que je puisse te tuer, quoi. C'est business, pure business. Business, pure business. T'inquiète, je t'en voudrais pas, frère. Je prends du mercure au chrome. Oui, oui. Comporte-toi en héros. Et tue le bonhomme. Alors, je vous le montrerai si j'en ai l'occasion. J'ai un tout petit peu de temps, là. Ça, c'est un tranquillisant. Ça fait sauter un tour à un mec. On a le coup du fusil que vous connaissez déjà. Hein, vous l'avez déjà vu. Je vous ai montré 5, 6, 7ème île, je me souviens plus, peut-être même avant. Je vous envoie un médecin. C'est toi le médecin. Il est cool. La retraite, jamais. Et bim. Et voilà. Mission accomplie, on vient de conquérir la deuxième île. Ça fait plaisir. Donc on a 3 médailles plus 5 médailles bonus. Ça veut nous faire 8 médailles au total. Ça fait plaisir ça, 8 médailles. 8 médailles, on pourra promouvoir 1 et 2. Nono et Jean-Marie. On pourra les promouvoir en grade 2. Il me restera 2 médailles sur le côté. C'est correct. Enfin, on verra. Je vais couper la cam, couper le micro parce qu'il me semble qu'on a une petite cinématique et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite. D'abord, la discrétion. L'apparence. Hé, toi. Oui, toi. Tu es aussi discret qu'une starlette au Festival de Cannes. Essaie de passer inaperçu pour voir. Les reflets. Tout brille à la lumière. Ne sois pas trop propre. Ne te lustre pas comme un miroir d'hôtel de passe. Sinon... La silhouette.
Rien ne ressemble plus à une armée de soldats qu'une armée de cochons. Aussi, quand vous êtes plusieurs, faites un tas. Prenez une forme. Guerroyer, c'est créer. Le bruit. La nuit ne chante pas, même si tu es content. Tu fais la guerre, pas l'Olympia. Parle avec le langage des sourds. Chacun de tes signes sera compris de tes camarades. Fais donc attention à ce que tu dis. Et voilà. Oula. Il est mal imprimé le journal, j'arrive même pas à lire là. Les... Nanana... Je suis fier de toi, tu peux bien. Montauban nous appartient. Et voilà. 5 points de promotion supplémentaires pour renforcer ton régiment. Ça va devenir dur, très dur. Alors, ce que je vais faire, je vais sauvegarder dans un premier temps. Et je vais vous dire pourquoi je sauvegarde avant de mettre mes médailles. Parce que je ne sais pas ce que je veux faire exactement. Donc, parce que j'ai 8 médailles. Soit, comme je le disais avant la vidéo, je vais promouvoir l'ingénieur et le bombardier au grade 2. Et ça me coûte 6 médailles. Il me reste donc 2 médailles qui ne me servent à rien pour le moment, qui me serviront derrière. Soit, je promue directement par exemple mon petit soigneur ici présent, ou carrément mon petit Ahmed ici présent, en commando. Mais ça coûte 6 et donc il me restera 2 et ça me laisse les deux autres ici un peu fébriles quoi. Mais d'un autre côté, le commando il envoie du steak. Le commando il a un jetpack intégré, il peut nager dans l'eau sans perdre des points de vie. C'est pratique quand même. C'est pratique. J'y réfléchirai, je verrai ça après. Sur ce les amis, à très bientôt.